Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de tout simplement vous faire une vidéo parce que j'avais quelque chose à cœur et j'avais envie de vous en parler. Et puis, voilà, comme vous pouvez constater, je me suis fait raser les cheveux. Donc, cette fois-ci, je l'ai fait pour le cancer, tout simplement, pour tous les hommes, les femmes puis les enfants qui souffrent de cette terrible maladie puis qu'à tous les jours, ils doivent lutter pour cette maladie-là. Moi, j'ai décidé de sauter le pas et de le faire. Je regrette pas. Voilà. Je pense que c'est ma façon à moi d'être comme présente puis de soutenir ces personnes-là. On a tous quelqu'un dans notre famille, dans nos amis, quoi que ce soit, qui sont morts de cette maladie ou qui ont eu tout simplement la maladie du cancer. Et c'est une maladie qui est vraiment terrible et qui mérite qu'on soutienne énormément parce qu'on n'est pas à l'abri du cancer. Tout le monde peut l'avoir, hein? On ne sait jamais quand on peut l'avoir. On peut pas dire que nous, on est à l'abri de ça. C'est une maladie qui moi me fait super peur, que j'ai vraiment pas, j'aurais vraiment pas envie d'avoir. Donc c'est ma manière à moi tout simplement de soutenir ces personnes-là. Donc je vous invite à faire comme moi, si vous osez et que vous avez vraiment envie de soutenir la cause et de faire le défi d'être rasé, ben faites-le. Anyway, les cheveux, ça repousse. Et puis, je pense que personne, il n'y a personne qui est laid sans cheveux. Ça, c'est dans notre. Ça se passe entre les deux oreilles. La beauté, c'est ce qu'on dégage, c'est ce qu'on est, tout simplement. Donc, voilà. Moi, je vous encourage fortement, les gars, les filles, et peu importe, tous ceux qui ont vraiment envie de soutenir cette cause-là, ben, faites-le. Et puis, anyway, dites-vous que des cheveux, ça repousse. Hein? Vous avez jusqu'à l'année prochaine. Donc, vous allez avoir un an pour la prochaine coupe. Donc, merci de m'avoir écouté. Et puis, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie de vous raser les cheveux, ben, il y a des dons qu'on peut donner aussi au cancer. Et puis, voilà, dans vos bientôt dans vos municipalités, probablement, vous allez être informé de tout, soit des marches, le défi d'être rasé aussi qui se passe dans certains lieux publics. Vous pouvez vous présenter et vous faire soit raser les cheveux ou donner des sous pour le cancer. Fait que je vous laisse tout le monde et puis c'est sûr que je vous encourage à faire le défi d'être rasé. Et puis on se revoit bientôt et si vous avez osez vous raser les cheveux. J'aimerais que vous publiez des photos. Ça pourrait être intéressant sur ma page Facebook. Donc, je vais vous laisser le lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller mettre vos photos. Donc, je vous embrasse et on se revoit bientôt. Bye!